Rebonjour à toutes et tous. Donc, la réunion va démarrer. Allez, on y va. Donc, salutations distinguées à toutes et tous. Donc, merci de vous être rendu disponible pour cette réunion. Donc, je réitère mes excuses suite à la finalisation tardive de la réunion que j'avais avec le général Laverne juste avant. Et derrière, un petit labyrinthe pour trouver la salle. On est de l'autre côté. Je ne connaissais pas ici, hein, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà. Ceci étant dit, donc, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux de voir cette réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule de manière mixte, à la fois en présentiel et en visio. Compte tenu du nombre de fuseaux horaires donc, sur lesquels sont situés les Outre-mer, il était impossible de trouver une heure qui satisfasse tout le monde en même temps. Donc, on a scindé cette réunion en deux. Nous faisons celle-ci maintenant donc avec la partie Atlantique et Océan Indien. Et à 20 h, on fait cette même réunion avec le même ordre du jour, les mêmes points, avec la partie Pacifique, compte tenu du décalage horaire. L'ordre du jour sera le même donc pour les deux. Et donc, ces deux auditions feront l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et les vidéos seront ensuite disponibles à la demande. La réunion d'aujourd'hui fait suite à la réunion de bureau du 14 septembre dernier et sera principalement consacrée à l'examen d'activités à venir de la délégation aux Outre-mer dans les semaines à venir. Lors de la réunion de bureau du 14 septembre, le principe de l'envoi d'un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, a été acté. Ce courrier qui souligne l'insuffisance des moyens de la délégation aux Outre-mer, notamment pour ses déplacements, et qui demande une rencontre avec la présidente, a recueilli la co-signature de la plupart des membres du bureau et a été envoyé le 18 septembre. Je tiens à préciser, à l'issue de cet envoi, il y a eu un contact qui a été fait avec le cabinet de la présidente et ma collaboratrice. Donc, on verra à quelle date sera mise en place cette rencontre pour la délégation des Outre-mer. Autre point de précision. J'ai pu apprendre de la part d'autres présidents qu'il y a eu un alignement vers le haut de plusieurs commissions permanentes qui ont augmenté leur budget à la demande de différents présidents. Donc j'espère que notre demande sera entendue de la sorte afin de nous aligner aussi vers le haut et pas de continuer à nous enlever nous baisser les moyens sans aucune information, indication particulière. Je tiens à le préciser aussi, à le rappeler. Ensuite, le bureau a également décidé d'inviter le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Prévention, ainsi que le ministre chargé des Outre-mer pour évoquer la préparation du PLF et du PLFSS sous le prisme ultramarin. Donc, ces courriers également ont été expédiés le 18 septembre, n'ont à ce jour pas reçu de réponse. Donc, on verra si on les relance, René, incessamment sous peu. Mais néanmoins, il est extrêmement important pour nous que ces ministres-là soient auditionnés dans le cadre du PLF-PLFSS, je rappelle que le budget outre-mer sera vu le 6 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, il est très important pour nous d'avoir toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse bien porter les sujets. Je rappelle aussi que nous n'avons pas encore reçu le bleu outre-mer. Si certains l'ont, vous me dites, mais je suppose que ça risque de faire comme l'année dernière. On l'aura peut-être après coup. C'est ce qui serait dommage, hein, j'ai envie de dire ça pour ne pas dire autre chose. Comment, Giovanni, non? Global. Le PLF de 2020. Ok, mais en tout cas, le bleu outre-mer, on ne l'a pas encore reçu, hein. Ok. Le programme de travail de la délégation a également été abordé. Donc, le bureau a proposé qu'une mission flash soit créée pour travailler sur la réévaluation du coefficient géographique appliqué au financement des hôpitaux ultramarins. Donc, effectivement, lors de la dernière réunion de bureau, ce sujet a été évoqué par rapport aux besoins de financement des hôpitaux de notre territoire, qui sont plus exsangues, pour ne pas dire certains sont déficitaires structurellement aujourd'hui, ce qui devient très très compliqué. Donc, il a été proposé cette mission flash-là, qu'on a, par principe, au niveau du bureau, on a acté. D'où maintenant le principe de le mettre au niveau de la délégation et voir les retours, les regards, les observations s'il y en a à ce niveau-là. Donc la parole circule sur cette proposition-là. Questions, remarques?
particulière par rapport à cela? Est-ce qu'il y a peut-être des avis contraires à la proposition qui est faite de faire cette mission flash? Si oui, quels sont les arguments et les raisons? C'est bon pour tout le monde? Excuse-moi, Davy. Oui. Davy, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, l'intitulé exact de la mission Flash? Parce que je suis Alors, en visio et on n'entend pas très bien. ok. La mission flash qui est proposée, c'est que soit créé de travailler à la réévaluation du coefficient géographique appliqué au financement des hôpitaux ultramarins. Oui, parfait, c'est un sujet qu'on réclame depuis longtemps. Donc, Exactement. OK pour moi. Pas de souci. Donc, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'avis contraire, on part du principe où cette mission flash est validée. Donc, la question qui vient derrière, qui souhaiterait participer à cette mission flash? Donc, je rappelle qu'il y a le Moi. collègue Emeline, donc député de La Réunion. Le collègue Eli Khalifer s'était porté aussi, s'était proposé lors d'un autre bureau. Est-ce que tu veux participer ou. Merci, Président. Déjà, pour saluer les collègues qui sont avec nous, parce que c'est 27-27. On aimerait, moi, personnellement, vous avoir plus souvent avec nous. Quand vous le pouvez, bien sûr. Parce que l'idée de la délégation, c'est faire en sorte que vous ayez une belle perception, une bonne perception des réalités de nos territoires. Des territoires qui sont divers et variés, avec de forts potentiels, mais parfois avec une présence particulière, disons, de l'État. Et cela pourrait nous aider, nous, au sein même de l'hémicycle, pour faire passer. Tantôt nos différences, ou tantôt, on va dire, disons, une application différenciée des textes. En tout cas, merci à vous. Et sur les hôpitaux, c'est quelque chose de particulier, Président. Et si j'avais sollicité, comment dirais-je, ma participation, mais elle peut être revue, hein, c'est parce que je fus en son temps, en d'autres temps, président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe. Maintenant, je connais un peu le sujet, mais ce qui est. Il faudrait aller beaucoup plus loin, là. Ce sont les conclusions, bien l'orientation de travail de cette mission-là, parce que si on maintient la révision revient tous les 7 ans, tous les 6 ans, et entre-temps, les hôpitaux croulent sur des dépenses, les fournisseurs ont le temps de couper les vivres, et parfois aussi les médicaments, mais sauf qu'il n'y a pas tout dire apparemment dans nos lieux-là, parce que les vérités parfois peuvent. Bousculer même ceux qui en pâtissent parfois. C'est terrible, mais c'est ainsi. Il y a des syndromes particuliers. Et l'idée, c'est que au-delà de ce coefficient qu'on ait véritablement, disons, un financement des hôpitaux qui tienne compte de ça directement. Parce que ça va juste toucher le lait, les fournitures, les médicaments. Et ça, c'est une grosse problématique pour l'ensemble des hôpitaux. Ultramarins. Donc, s'il n'y a pas d'autres collègues qui seraient, disons, volontaires, je peux me sacrifier. Merci pour ce sacrifice, collègue Califère. Donc, il y a deux. La collègue Président, Rilac, oui. merci, Président. Une simple remarque. Dans la manière dont nous avons travaillé depuis le début, il y a deux remarques sur le déroulement de nos missions, à savoir qu'il puisse y avoir peut-être une pluralité de représentation de différents partis et aussi peut-être une représentation mixée, hexagonale et députés hexagonaux et députés ultramarins. Donc, moi personnellement, je ne pourrais pas m'engager sur cette mission, donc parce que je suis déjà engagée sur une autre et je peux pas courir un milliard de chevaux à la fois. Mais peut-être dans l'octroi aussi des missions, s'il y a des collègues ou de la majorité ou d'autres partis hexagonaux ou autres ultramarins, qu'on arrive quand même à mixer la répartition l'octroi des missions. Entendu, collègue Grillac, collègue Kabidji.
Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je tenais à dire, en fait, pourquoi est-ce que je me suis tout de suite proposée pour cette mission? Parce que lors des dernières élections présidentielles, Jean Castex était venu à La Réunion et il s'était engagé, dans le cadre de la campagne, à revaloriser ce coefficient géographique. Et c'est une promesse de campagne qui, aujourd'hui, n'a toujours pas été tenue. Nous avons travaillé là-dessus avec la région Réunion. Et les députés réunionnais du groupe GDR, d'ailleurs, avaient sollicité un rendez-vous au ministère de la Santé. Et on s'y était rendu avec les représentants de la région Réunion. Et on avait déjà abordé cette question. Et on nous avait indiqué qu'il y aurait une réponse. Et on n'a jamais eu de réponse à ce jour. Donc, effectivement, une mission d'information me semble plus que nécessaire. Elle est urgente, puisqu'actuellement, le déficit qu'accuse l'hôpital, enfin le CHU de La Réunion, correspond exactement à ce qui pourrait résulter si on avait une revalorisation du coefficient géographique. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé, qui me paraît important, surtout dans le contexte inflationniste qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle je m'étais proposé assez vite pour participer à cette mission. Merci, collègue Carbidi. Donc, je rappelle que ce n'est pas une mission d'information, c'est une mission flash. D'accord? Voilà, juste en matière de précision. Donc, sur le précis de ce qu'a dit le collègue Relac, je n'ai pas de souci particulier par rapport à ça. Je rappelle juste qu'après, c'est avant tout sur la base du volontariat et les collègues qui désirent y participer et mener ces missions à bien. Donc, le principe qui est porté, je l'entends. Après, est-ce qu'on pourra l'imposer comme ça je ne sais pas, il faudra que tout le monde veuille bien jouer le jeu pour que ça fonctionne à ce niveau-là aussi. C'est surtout ça. Donc il y a deux collègues qui se sont positionnés aujourd'hui. On peut laisser ouvert les propositions jusqu'au. Ah! Micro, le micro. Serait-il possible d'avoir un peu plus de visibilité sur les autres missions? Parce qu'on nous demande éventuellement de s'engager là sur une mission qui n'est pas forcément celle qui nous attire le plus. Alors, mais si les nôtres n'arrivent jamais, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à celle-ci. Donc, Alors, on n'a pas beaucoup de vision sur tout ce qui va arriver plus tard. très bien. Alors, ce qu'on fait sur le principe, on va lister les missions qui sont proposées et ensuite celles qui seront validées. Il y aura une date butoir pour faire l'acte de candidature qui va être définie. Et les collègues qui seront intéressés pour telle ou telle mission se positionneront. D'accord? Donc, si ça convient à tout le monde, on va le faire comme ça. Donc, là, c'était la mission flash concernant le coefficient géographique appliqué au financement des hôpitaux. Le collègue Mathiasin demande la parole. Bonjour, chers collègues. Je suis en Guadeloupe où je suis encore retenu par quelques obligations. Je serai parmi vous la semaine prochaine, en tout cas lundi. Et voilà, je suis heureux que nous reprenions nos travaux. Je voudrais, bien sûr, que je suis d'accord avec la proposition qui est faite, que soit énoncé l'ensemble des missions que nous aurons à effectuer durant cette année, enfin cette session. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qui voudrait que lorsque nous avons une mission, nous décidons d'une mission, qu'il y ait un député, qu'il y ait un député ou des députés à parité ultramarins et des députés, je dirais, de l'Hexagone. Pourquoi? Parce qu'il me semble là qu'on doit y aller en fonction de nos centres d'intérêt, de ce qui nous plaît et de ce sur quoi, de ce qui nous préoccupe. Il me semble un peu dangereux dans une commission, dans une délégation comme la nôtre, d'instaurer, alors je viens le principe de parité à la limite, mais instaurer cette espèce de dichotomie qui fait que si un député, par exemple, ultramarin, n'est pas intéressé par un sujet, qu'il faille absolument que nous trouvions, ou des députés ne soient pas intéressés, qu'il faille absolument que nous trouvions un ultramarin pour mettre sur cette mission, au prétexte qu'il faut que nous soyons. Que nous ayons cette dichotomie entre métropolitain et ultramarin. C'est fini. Ok, merci collègue Machazin. Alors, suite à la réunion de bureau, l'autre mission, là ce n'est pas une mission flash, mais une mission d'information.
qui est proposée. Donc au départ, elle avait été, on l'avait mis comme point d'ancrage la Nouvelle-Calédonie par rapport à tout le système d'évolution institutionnelle. Donc après échange et discussion, donc c'est une mission d'information qui serait basée sur l'évolution institutionnelle, mais à l'échelle des territoires d'outre-mer, puisqu'il y a d'autres territoires d'outre-mer qui ont demandé à évoluer afin d'avoir plus d'autonomie en matière de gestion de décision. Donc on élargit cette mission d'information aux territoires d'outre-mer sur l'évolution institutionnelle. Avec ce qui existe, ce qui peut être fait, vers quoi les territoires voudraient évoluer. Donc, par rapport à l'actualité, il est extrêmement important que la délégation outre-mer s'empare du sujet et apporte aussi sa pierre à l'édifice dans les réflexions, les questionnements, les propositions qui pourraient être amenées à être faites dans les semaines à venir. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à cette mission d'information? Collègue James. Collègue William, pardon. Tu m'as rebaptisé, président. Non, parce que j'ai un ami, je viens de voir Giovanni James. Il a le même prénom que toi, pas le même nom. Je t'en prie, je t'en prie. Ben, président, pour cette mission d'information, je suis d'accord. Par contre, j'attire ton attention et celle des collègues que il s'agit d'un très gros sujet par territoire. Si on voit la situation qu'il y a chez toi en Guyane et la volonté d'évolution comparée à celle qu'il y a notamment en Martinique aussi, parce qu'il y a aussi un élan en ce sens, il faudra des moyens et j'espère que les moyens seront là et que les administrateurs seront disponibles pour une telle mission parce que ça nécessite beaucoup de travail, d'autant que les choses accélèrent, sont très Ça. accélérées selon les territoires. Qu'on n'ait pas un rapport qui puisse parvenir au mois de juin, au regard du calendrier, notamment du ministère des Outre-mer. Je te remercie de ton observation qui est extrêmement juste, collègue William. Donc, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui pour beaucoup de territoires. Donc, il y a déjà eu un premier travail qui avait été fait par la délégation. Aujourd'hui, c'est de pousser, d'aller plus loin encore dans ce qui a été fait. Donc, les moyens, effectivement, ils vont devoir être présents, ils vont devoir être là. C'est pour ça que la rencontre avec la présidence va être très importante, et même au niveau de la question aussi, pour les moyens alloués cette mission-là. La délégation, en tout cas aux Outre-mer, doit apporter son regard sur un tel sujet qui impacte tous les territoires aujourd'hui, qu'ils veulent évoluer ou pas. Mais aujourd'hui, avec ce qui est lancé, la délégation ne peut pas rester silencieuse et ne peut pas participer au travail collectif sur ce sujet-là. Alors, le collègue CO. Et ensuite, Madame Kabidji. Bonjour, président. Alors, collègue CO, on t'entend très mal. Non. D'accord. Vas-y. Ah. Attends, j'essaie de voir avec l'autre. Et là. Donc, plus rien. Ça passe très mal. Parle un peu plus fort pour voir. Est-ce que là, on est là? Ça crache. Quand tu parles, ça crache. Là, je n'ai pas compris. Non, ça passe pas bien. C'est compliqué, très compliqué. Voilà, je suis désolé, mais Là, collection, là, c'est. Non, là, c'est pas bon du tout. On t'entend à peine et en plus, ça crache lorsque tu parles. Sinon, écris le vieux message ou si tu es dans les parages, rejoins-nous. Ok. OK, pas de problème. Ça roule. Collègue Carbidi.
Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si il était encore possible de faire des propositions de missions d'information ou missions flash à ce stade ou si la liste était déjà arrêtée. Alors pour la, là, on est en train de terminer pour la fin de l'année, mais c'est sûr, il y a déjà des demandes pour début d'année prochaine qui sont déjà posées sur la table. Donc après, rien Donc, n'empêche de faire les on peut faire des propositions. demandes pour l'année prochaine. Voilà, pour 2024. Il y a déjà D'accord. une mission d'information qui est demandée, une mission flash qui est demandée, déjà, ouais, ces deux-là. Bon, ben j'écrirai Et non, il y officiellement a à la deux missions délégation. d'information qui sont Bon. demandées et une mission flash qui sont demandées pour l'instant. Et D'accord. une qui avait été validée par le président, l'ancien président Moïtaï Brotherson, qui est déjà Et est-ce dans. Oui. qu'il peut y avoir des missions conjointes avec des commissions? Non, ça se fait pas ça. D'accord, très bien. Merci. Pas de souci. Collègue Baptiste. Parce que j'avais adressé une mission, demande de mission d'information à la présidente depuis le 22 novembre 2022 concernant la formation des prix des billets d'avion, c'était dans le cadre de la problématique. Alors, est-ce que cette demande. Donc, je souhaite effectivement que cette demande soit réactivée. Est-ce que tu en as été saisi à cet effet? Alors, on m'a donné l'information justement qu'il y a cette demande qui avait été validée par le président Brotherson. Et donc, ça fait partie Et la des présidente missions, aussi, d'ailleurs. ça fait partie des missions qui sont dans la liste aujourd'hui pour 2024. C'est bon pour toi ou pas? Mais ça dit que je veux dire que c'est ça a été validé par l'ancien président, mais je parle du nouveau président maintenant. Ah oui, non, non mais alors en laissant une continuité, si le collègue Moïta a validé ça, moi c'est on poursuit en fait, c'est la continuité. Moi je ne vais pas remettre en question ce qui avait été déjà validé, pas du tout, au contraire. Ce qui a été validé, on met en œuvre et puis on y va. Après, j'aimerais juste rappeler que sur la formation des prix, il y a une commission là-dessus déjà, il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. Et je rappelle qu'on a une problématique majeure extrêmement forte, c'est que lorsqu'on rentre dans ce cadre-là, maintenant, les entreprises nous disent secret des affaires. Alors c'est une mission hein, d'information, hein. C'est Oui, pas une non. commission. Alors, je dis bien oui, Hein. j'ai bien Oui. compris. Donc, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus aussi, je tiens juste à le rappeler. Et on n'a pas eu de réponse particulière parce que le parapluie qui s'appelle secret des affaires bloque tout. On n'a aucune visibilité sur la formation des prix des billets d'avion. C'est terrible, hein? Mais c'est tout est bloqué. Donc aujourd'hui, cette mission-là qui a été validée, je suis prêt à. Il n'y a pas de souci, on est prêt à la mettre en œuvre. Mais après, derrière, c'est l'objectif derrière. Est-ce qu'on est sûr qu'on aura des éléments concrets? Il y a une commission d'enquête, je le rappelle, qui vient de passer par rapport à Charte de la vie. Donc, ils ont été là-dessus aussi. Je suis blanc. Il y a des travaux qui ont été menés sur ça aussi. Je suis blanc. Moi, j'aimerais savoir si la mission d'information va permettre à ce qu'on puisse avoir des éléments concrets à ce sujet-là. Si maintenant on dit oui, moi, j'ai pas, sur le principe, j'ai pas de souci. Mais j'ai pas, je ne crains que l'on fasse une mission de plus sur un sujet, sur ce sujet-là et qu'on n'ait aucun élément de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est l'inquiétude que j'ai en finalité. Bon, mais en tout cas, c'est un scandale. Ah, tout, mais je en partage, C'est un hein. scandale Total. et je pense que quelle que soit la suite qui sera donnée, enfin qui sera donnée, pas par l'Assemblée, mais je veux dire à ceux qui sont à même de donner des informations, je pense que nous prendrons encore acte et je pense que l'Assemblée nationale aura une position à prendre, entre nous les députés. Et donc, mais déjà, je pense que bon, c'est un vrai scandale. C'est Bon, exactement ce qui était d'autant dit. plus que l'objectif de cette mission d'information, au-delà de la formation des prix, mais c'est véritablement de pouvoir d'avoir une perspective pour l'avenir. Et parce qu'il y avait déjà eu effectivement une première rencontre avec l'ancien président, avec les compagnies. Et donc il y a des solutions qui existent par ailleurs, qui ont existé dans le passé, et sur lesquelles nous devons aussi nous pencher. Et donc je crois que c'est un véritable, entre guillemets, combat que nous devons mener. Nous devons avoir du courage, et je crois que c'est ce qu'attendent de nous nos compatriotes d'ailleurs, parce que nous savons tous que
C'est le seul moyen qui existe pour pouvoir relier l'Hexagone avec nos îles, avec nos territoires, plutôt nos territoires. Et il y a une grande souffrance, et nous le savons tous. Et je crois que là, nous ne pouvons rester fatalistes en se disant « oui, mais on risque de ne pas avoir ». Je pense que c'est peut-être une occasion, lorsque nous aurons peut-être ces refus, de passer à une autre étape qui reste à déterminer, qui nous restera à déterminer. Collègue Rulac. Merci, Président. Sur ce sujet très particulier, donc le bureau donc, avait quand même prononcé son accord pour un certain nombre de missions, qu'elles soient flash ou d'informations. Donc, c'est vrai que d'avoir la liste complète, ça nous permettrait les uns et les autres de nous positionner et par rapport à nos territoires, mais également par rapport à nos sujets de prédilection. Ça, c'est une première chose. Et concernant la problématique de la formation des prix, particulièrement pour les billets d'avion, moi, je suis d'accord avec ce que le président Riemann vient de dire. Nous avons mené une commission d'enquête sur la vie chère au sein de la mission. Il y a déjà eu des auditions tout au début du mandat avec les avionneurs. On voit bien que c'est un sujet qui est difficile et je ne vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait, nous, représentation nationale, faire des propositions alors que nous n'avons pas accès aux informations. Donc, par rapport à d'autres thématiques, si on devait prioriser ou si on devait choisir, il me semble que malheureusement, ce sujet de la formation des prix, aujourd'hui, on soit un petit peu bloqué. Et donc, en tout cas, d'un point de vue personnel, je préférerais qu'on mette en avant les moyens qui nous sont comptés sur d'autres missions pour faire avancer des sujets importants pour notre délégation et pour nos territoires d'outre-mer. Collègue Machazin. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Alors, lors de la proposition, de l'examen de la, enfin, avant l'examen de la proposition de loi sur la continuité territoriale présentée par l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps, eh bien, nous avons, Olivier Servat et moi, entrepris un certain nombre d'auditions. Et par conséquent, nous avons auditionné les compagnies aériennes, que ce soit Air France, Air Caraïbes, enfin un peu tout le monde. Et donc, les réponses, ils nous ont donné des explications. Ils nous donneront les mêmes explications sur la question de la formation des prix, à savoir le coût du carburant, l'entretien, en fait, etc. Et ils démontrent les taxes, surtout prélevées par aéroportuaires et d'autres taxes prélevées par l'État. Voilà les explications qu'ils donnent et voilà ce que nous risquons d'attendre de nouveau. Maintenant, ce qui concerne nos concitoyens ultramarins qui ont à se déplacer et qui ont besoin justement de continuité territoriale, eh bien, la balle est dans le camp de l'État aujourd'hui. Parce que l'État, je suis tout à fait d'accord avec Cécile, l'État a tous les éléments aujourd'hui en main pour pouvoir réagir. Donc, je pense qu'il y a eu la mission également menée par notre camarade Johnny. Par conséquent, peut-être qu'il faut synthétiser tout ça et voir ce que l'État est en mesure de faire pour les Outre-mer, qui ont besoin non seulement, par exemple, dans un archipel comme la Guadeloupe, nous avons besoin de nous déplacer entre les îles, et puis il y a d'autres archipels, et puis simplement de notre territoire à l'Hexagone. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas pour faire obstacle, au contraire, plus on en aura, mieux ce sera, abondance de biens ne nuit pas, mais il me semble que là, la balle est dans le camp de l'État qui doit entamer, et notamment avec dans le camp du ministre des Outre-mer, le nouveau ministre délégué, et que nous rencontrerons bientôt, j'espère. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut repartir dans une mission pour entendre les mêmes réponses. Voilà. Donc, j'en ai fini. Merci, collègue Machazin. Donc, alors, ce que moi, j'entends, en tout cas, par rapport à ce qu'a dit aussi le collègue Baptiste, au-delà même de mettre en œuvre cette mission-là ou pas, c'est surtout de dire maintenant, si on risque d'avoir les mêmes écueils, c'est quelle démarche on entreprend collectivement
pour que ça puisse bouger concrètement. On ne peut pas continuer à se satisfaire de dire, écoutez, il y a le secret des affaires, et c'est une loi qui a été votée, si je ne me trompe pas, la mandature précédente, maintenant qui ne nous donne pas accès à savoir comment est-ce que les prix sont formés. Et on a eu le même écueil aussi sur les prix au niveau de l'alimentaire aussi sur nos territoires. On nous a donné une fin de non-recevoir sur le montage des prix qui sont opérés. Donc ça pose un problème réel et concret par rapport au fait que ça tape le portefeuille de nos concitoyens. Et je rappelle que nous parlons de nos populations qui sont les populations les plus paupérisées des territoires français. Donc partant de ce postulat, mais moi ce que je propose alors avec le collègue Baptiste et les collègues qui seront d'accord pour ça, c'est qu'on puisse se réunir assez rapidement afin de définir une stratégie qui nous permettra de faire bouger les lignes à ce sujet-là. Tant avec le gouvernement, je pense que là, le collègue Mathias a raison. Il faut qu'on rencontre les ministres qui devront nous apporter des réponses concrètes à la situation, parce que je partage totalement le collègue Baptiste, ça ne peut plus perdurer, on ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Donc voilà. Concernant la liste des missions qui sont déjà sur la table pour l'année qui suit, il y a la mission qui avait été validée par le président Mozerson, demandée par le collègue Baptiste. Il y a une mission flash demandée par le collègue de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Mesdorf. Une mission flash par rapport au rôle du RSMA dans nos territoires en matière de formation. Il y a la collègue Grilac qui avait proposé une mission aussi concernant les études supérieures sur l'accès aux études supérieures sur nos territoires. Et il y a aussi une mission flash de la collègue Kerbidi, si je ne me trompe pas, si elle est là toujours. Collègue Kerbidi. Bon, en tout cas, ça fait 4 missions. Il y a 2 missions flash et 2 missions d'information qui sont pour la table pour 2024. Voilà la liste que nous avons aujourd'hui. Donc, pour ces missions, pour les 2 missions qui sont actées pour finir 2023, et peut-être même après, sur les budgets 2023, donc les candidatures seront lancées pour jusqu'au 3 octobre, c'est ça, René? Ouais, on donne jusqu'au 3 octobre pour les personnes qui font acte de candidature. Et ensuite, on donnera les dates aussi, la chronologie pour les missions 2024, avec les dates de candidature ouvertes aussi pour chaque mission à venir. Y a-t-il des questions? Collègue Califère. Oui, d'accord. L'échange que nous venons d'avoir sur les billets d'avion, disons, est un échange très intéressant. Mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour essayer de faire savoir aux ministres délégués que nous aimerions avoir des réponses avant qu'on ne le rencontre. Ensuite, il va falloir qu'on essaie de peser un peu sur l'engagement du ministre Darmanin sur la fierté de la vie. Parce que si lui, après la commission d'enquête menée par Johnny Hajar, il déclare sur un territoire ultramarin qu'il y a cette problématique-là, peut-être faut voir avec lui quelles sont les voies et moyens qu'il peut se donner en tant que ministre pour arrêter ce scandale. Je veux rappeler que c'est véritablement sur les lignes ultramarines que nous avons connu cet influx de prix, hein, un départ de la France et au départ des Outre-mer, ce qui est un peu bizarre. Ça ressemble à quelque chose qui était un peu pour refaire les caisses après Covid. Là, à ce stade de nos échanges-là et de cette volonté un peu qu'il y ait une mixité en fonction en même temps, on va dire, des intérêts, quoi. Chacun un peu un intérêt particulier pour tel ou tel sujet. Il faudrait peut-être qu'on définisse, on l'a fait, le nombre de missions, les moyens que nous pourrions avoir, mais surtout le nombre de participants, quoi. Le nombre de personnes. Ceci est important pour nous. Par contre, je trouve que la mission sur, disons, les études supérieures, ce serait quelque chose de très intéressant si on mène ça dans le cadre, disons, de l'observatoire, on va dire, de l'emploi, en même temps les filières à ouvrir sur le territoire. Pas simplement constat, mais dépasser le constat, aller au-delà.
et préparer un peu cette transition écologique, cette transition énergétique sur nos territoires et faire en sorte que tout ceci concourt en même temps au retour de certains ou au maintien de certains et que certains, disons, acceptent, s'inscrivent dans les formations qui se trouveraient sur nos territoires. Il faut mener ça avec l'esprit, la philosophie qui est que nos territoires devraient se former sur nos territoires pour que nous soyons employables sur nos territoires. Collecteur Bidi. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai eu un appel entre-temps et heureusement que ma collègue Cécile Riac est venue m'alerter que vous étiez en train de parler, semble-t-il, des colis postaux. Oui, de votre mission et flash. De la mission. Voilà, donc c'est une mission, on avait eu l'occasion d'en discuter. C'est une question qui avait déjà été abordée sur de nombreux bancs par différents députés d'outre-mer et pas seulement depuis 2022, mais il y avait déjà eu une PPL, il me semble, de notre collègue Jean-Yves Tratenon qui avait été déposée sur la péréquation en matière de colis postaux l'année dernière, donc il n'avait pas eu la chance d'arriver jusqu'en commission, mais pour dire que c'est vraiment une préoccupation de beaucoup d'entre nous avec des coûts qui, au regard de l'inflation, deviennent de plus en plus difficiles à tenir. Et la région Réunion, là-dessus, a pris une mesure il y a quelques mois pour rehausser la franchise concernant le coût des colis postaux entre l'Hexagone et la Réunion. Mais il se trouve que dans le sens Réunion-Hexagone, nous sommes contraints par la législation européenne et que les barèmes ne peuvent pas être modifiés par notre Assemblée. Donc il y a un volet de droit européen dont il faut absolument tenir compte. Donc envoyer un colis de l'Hexagone vers la Réunion jusqu'à 200 euros, il me semble, est exempté d'octroi de mer. Mais par contre, de la Réunion vers l'Hexagone, la franchise est à 40 euros, il me semble. Et donc, on voit qu'on a une grande disparité. Donc ça, c'est ce que je souhaitais rajouter et dire que je pense qu'on sera nombreux là-dessus à pouvoir faire des contributions. Puisqu'on en est sur les missions flash, je voulais également vous donner une information puisque les commissions se réunissaient enfin, la commission des lois, en tout cas, se réunissait aujourd'hui pour faire un point sur les possibles missions et missions flash. Et qu'étant membre de cette commission, moi, j'ai proposé une mission flash concernant la problématique de la compétence eau-assainissement qui s'inscrit dans un contexte un peu général du problème de l'eau à Mayotte. Qui est lié à la sécheresse, mais aussi à un problème d'entretien des infrastructures liées à l'eau. Et il me semble que c'est une problématique qui pend au nez de toutes les collectivités d'outre-mer, mais aussi d'Hexagone, puisque si depuis le transfert de compétences, beaucoup de collectivités se plaignent de la difficulté et du retard pris dans l'entretien et dans la création même de nouvelles infrastructures en eau. Et le président de la commission des lois s'est montré plutôt intéressé par une mission qui concernerait l'eau et particulièrement la question de la compétence et du partage de compétences entre les collectivités et les EPCI. Mais il disait qu'il faudrait qu'il y ait un travail avec la délégation Outre-mer sur cette question. Donc, je le mets sur la table et peut-être que ça peut faire l'objet de réflexions de la part de notre délégation. Ok, merci pour les informations, collègue Carbidi. Alors, de toutes les manières, les choses vont s'accélérer. Donc, je reprends les mots du collègue William. À savoir, le gouvernement va lancer un gros chantier à l'issue du CIOM concernant l'octroi de mer. Donc, automatiquement, la délégation Outre-mer s'empare aussi de ces travaux-là. Nous, en tant que parlementaires, il y aura des réunions de travail, des colloques, des auditions par rapport à cette réforme d'ampleur que veut mener le gouvernement. Alors, je rappelle, cette réforme-là doit avoir un impact significatif sur le portefeuille de nos concitoyens sur nos territoires. J'avais demandé à l'ancien ministre Carenco, et je demanderai au nouveau ministre Vigier lorsqu'on le rencontrera, lorsqu'ils attaquent cette réforme d'ampleur,
est-ce qu'ils nous garantissent qu'il y aura une répercussion positive significative sur le portefeuille de nos concitoyens, tout en sachant que l'octroi de mer est à la main des collectivités de nos territoires. Y a-t-il d'autres questions par rapport aux missions, informations, par rapport à l'année qui arrive? Ah, collègue William. Oui, c'est une pensée à la volée. Président, je pense que tu as la possibilité de saisir, de solliciter les rapporteurs justement de la commission, la mission Vichère, pour qu'ils puissent saisir éventuellement le procureur de la République s'ils n'ont pas obtenu les informations sollicitées, notamment des avionneurs. Ça, c'est une possibilité. Concernant les missions à venir, je partage l'avis du collègue Califère. Et la proposition qui a été faite par la collègue Riac sur l'enseignement supérieur, je le dis déjà, j'aimerais bien faire partie de cette mission. Pas de souci. La liste sera envoyée et vous pourrez mettre vos noms, il n'y a pas de souci. Collègue. Oui, de mon côté, moi, je m'interrogeais sur les missions relatives à l'éducation ou à la langue française. Et à l'illettrisme, donc qui sont les trois thématiques qui m'importent le plus. Je ne pense pas qu'on ait eu fait beaucoup de missions depuis le début de la session ou depuis le début du mandat sur l'éducation. Et je pense que c'est un sujet important quand même de confronter soit la langue maternelle avec le français, l'apprentissage du français dans les écoles maternelles, l'apprentissage de la lecture et les résultats que ça donne aujourd'hui quand on analyse les taux d'illettrisme dans les Outre-mer. Entendu, c'est noté. D'autres observations et des remarques? Non, c'est bon. Ok. Ça intéresse bien nos problématiques et ça me réjouit. Mais c'est sidérant, hein, le taux d'illettrisme. Mais à ce niveau-là, je sais pas que. Enfin, bon, on va toucher à tous les sujets. Là. Mais ça fait 6 ans. À tous les sujets. Ah oui. Le micro. Je m'intéresse à ce sujet parce que ça fait 6 ans que je suis présidente du groupe d'études illettrisme. Donc on a toutes les remontées des journées des JDC et des statistiques par département. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de budget et de moyens dans le groupe d'études pour faire une analyse plus poussée sur les Outre-mer. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Merci en tout cas de porter l'attention particulière sur ce phénomène qui tape tous nos territoires, effectivement. Alors, on continue. Je m'étais, il y a quelques mois de ça, je m'étais engagé à voir avec, à me rendre justement à Mayotte sous l'invitation du collègue Mansour Kamardine par rapport à la crise de l'eau et autre chose. Donc, je verrai si. Si j'aurai le temps de le faire avant la fin de l'année ou dans les semaines à venir. Donc, c'était pour vous informer de cela officiellement. Mais si jamais c'est confirmé dans les semaines à venir, je vous passerai l'information. Dans tous les cas, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui avec cette crise de l'eau majeure. Vous savez qu'on leur ouvre le robinet un jour sur trois. D'accord ? Donc, un jour il y a de l'eau, deux jours il n'y en a pas. C'est une situation catastrophique qui n'aurait jamais dû avoir lieu à Mayotte. Pour celles et ceux qui étaient présents l'année dernière lors du vote du budget Outre-mer, est-ce que vous rappelez des amendements qui avaient été portés et votés à ce moment-là par rapport au problème de l'eau, justement en l'occurrence à Mayotte, et ce qui s'était passé à l'issue de ces votes-là, le 49-3, où d'un budget de près de 300 millions, on est passé à 53 millions. Donc, il ne faut pas que l'État fasse comme s'il ne savait pas ce qui se préparait à Mayotte. Ils en étaient conscients, ils ont fait un choix. Et ce sera à nous, dans les jours et semaines à venir, de le rappeler comme il se doit. Et là-dessus, je pourrais compter sur vous, chers collègues. Y a-t-il des questions, des informations diverses que vous souhaiteriez porter à la délégation, chers collègues? Non? L'ordre du jour étant terminé. Je tiens à vous remercier de votre présence, tant physique qu'en visio. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et continuez votre bonne rentrée parlementaire.
Et je sais que tout le monde sera sur le PLF, PLFSS dans les semaines à venir. Bon courage à tout le monde.